de criminels. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Autobalf. Aujourd'hui, 235i Grand Coupé. Tu peux me parler un peu de la voiture du coup? Bah, c'est la voiture d'un pote à moi. Il a une agence de location à Chilly-Mazarin. Ouais. Il fait des bons prix, tout ça. M235i, 360 chevaux, elle est reprogrammée. 235i, c'est un modèle 2020, ça c'est les derniers vraiment. Ouais, c'est les derniers. Toutes ces voitures, c'est que les dernières. Que les dernières. Même si tu veux louer un RS3, c'est vraiment les derniers, ouais, derniers RS3. 400 chevaux. Non, franchement, elle est terrible. Là, le déchromage complet. Bon, je pense que c'est d'origine sur les M235i. Les baguettes de fenêtres noires. Rétro alu un peu. Alu brossé, on dirait. Ouais, c'est ça. Hein. Étrier de frein bleu. Siglé M. Ouais, donc c'est une 4 motrices, hein, ouais, c'est ça. C'est ça, 4 motrices, ouais. On peut voir à quel point ils sont techniques. Ça éclaire super bien. Donc ça, c'est de la même couleur que les rétroviseurs. Ouais. Putain, la calandre, elle est magnifique. Tout est travaillé à fond. Donc derrière ça, c'est une fausse. Non, c'est une vraie. Tout est. Ah, c'est que des vraies prises d'air. Hein. Tout là, c'est une fausse. Sur les côtés, c'est. Et ça. En dessous, c'est des vrais. Ok, d'accord. Donc vu qu'on est sur un coupé, les montants de porte, bah, y en a pas. C'est directement les fenêtres. Ok, bon, on peut passer à l'intérieur, je pense. Hein. Terrible. L'intérieur, il est juste incroyable. Compteur digital. Les derniers volants. Donc, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu les intérieurs BMW, bah, c'est les tout derniers. Hein. Ah, c'est vraiment magnifique. Tableau de bord, tout ça, c'est super bien fini. Hein. Ah, c'est fou. On voit pas très bien, mais il y a les LED partout, tu vois. On ça voit, fait comme ça, là, sur les portières. Ouais, pareil, aussi sur les portières. De nuit, c'est quelque chose. Bah, tout à l'heure, de toute façon, dans une heure, à mon avis, il fera nuit. Tu pourras prendre des prises. Seuil de porte M235i. Tapis siglé M. Ouais, tout est M, de hein, toute façon, là, il n'y a rien d'autre à dire. Et au niveau des options ici, donc tu m'as dit, ça, c'est les différents modes de conduite. Ouais, voilà, tu peux reconfigurer ta sauce. Ça, c'est les Z, Start and Stop, Park Assist, je pense, il me semble, ici. Ça. Là, c'est pour la navigation, GPS, ouais. Tout ça. Un mode USB, ouais. T'as une entrée USB ici. Ouais, une deuxième entrée USB. Ouais, là, c'est pour mettre ton téléphone pour qu'il se cale. Tu penses pas que ça peut charger ici, là? Je pense que ça peut charger. Ça charge. Ouais, ça charge. Pour les téléphones ouais, qui sont compatibles. Ouais, voilà, c'est ça. Putain, c'est super bien fini, en vrai. C'est ouf. T'as la boîte à gants, ça va, t'as de l'espace aussi. Ouais. Après, au niveau du confort des sièges, c'est réglable. Tu peux régler ton siège comme tu veux. Siège électrique. Ouais, c'est ça. Siège chauffant, là, tu vois. Ah ouais, terrible. T'as les trois niveaux. Tiens, on va parler des sièges. Je vais juste rapidement fumer les sièges. La finition, là. Terrible. À l'arrière. Ouais, franchement, c'est magnifique. Hein. Qualité de finition chez BM là, c'est ouf. Il y avait la plupart des gens au niveau de BM qui reprochaient l'intérieur qui évoluait pas assez. Là, ils ont tout changé. Les dernières BM, même pas le M235, et toutes les dernières BM, franchement, ils sont forts. Bah, le truc, c'est que Merco, ils sont arrivés en 2018-2019 avec les tout nouveaux intérieurs, des écrans partout, un volant magnifique. Ils sont mis à jour. Hein. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Rien d'autre à dire. Ils sont carrément mis à jour. Voilà, tout est travaillé, tout est bien fini jusqu'à là, les. Comment c'est taillé en fait. Tout ah est. Ouais. Pff, wow, bref. Il n'y a plus de contour de rétroviseur intérieur. Ah, c'est sur le miroir, tu le vois. Franchement, ah, ça, c'est les lumières. Sport individuel. Ah ouais, terrible. Ta consommation. 13,4 de moyenne la consommation, c'est ça? Bah là, ouais, mais parce qu'on a tapé dedans. Sinon, ouais. Franchement, ça consomme pas trop. Hein. Mais par contre, c'est grave bien sonorisé. Ouais. Ferme les fenêtres, t'entends plus rien dehors. Même le moteur, tu l'entends même plus trop. Ah, carrément. Donc, au niveau du moteur, on est sur un 2 litres, 4 cylindres. Non, mais c'est pas possible, ça. Non, non, ça va pas le faire, hein. 306 chevaux d'origine et reprogrammé. Stage 1, il me semble, 360 chevaux. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais ça vibre tout le temps. Qu'est-ce que c'est? Ça me paraît être un anti-vol. Ou ouais, c'est ça. Démarrage. On voit pas grand-chose, hein. Boîte à air, cache moteur. Ouais, ouais. Ah là, une vraie gueule. Bon, au niveau du coffre, là, comme on peut voir, très profond. Je sais pas si on s'en rend compte, mais bon, je vais essayer de bouger un peu. Même faux fond et tout. Ouais, non, propre. Triangle, franchement, il y a beaucoup de place. Ouais, tu peux partir en vacances. First kit. Bah là, tu ne sens même pas la route avec ça. Tu peux faire 1000 bornes. Bon, bah écoute, passer à l'aisselle. Hein. Vas-y, hein, ça marche. Là c'est 4 roues motrices en gros et là c'est en mode traction. Tu peux pas la mettre en propulsion quoi?
La voiture elle accroche au sol. Ouais, je te jure. Du coup, toi, ça fait deux jours que tu l'as. C'est quoi un peu ton ressenti là, global, par rapport au, par exemple, à un RS3 que t'as pu saigner aussi? Franchement, ça se vaut. Ça envoie presque autant. Ouais. Presque autant. Le RS3, il envoie quand même plus, mais ça a rien à voir. Ouais. Le M235i là, quand on conduit, on se fait peur avec. Alors que le RS3, bah, c'est fou. Ouais, droit, ça bouge c'est pas. Ça, ouais. Là, faut tenir vraiment le volant, tu vois, et ouais, faut vois. Rester concentré. Mais au niveau des sensations, par contre, il y a plus de sensations avec le BM. Parce que un RS3, on va être à 200, on va avoir l'impression qu'on est à 110. Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Parce que c'est linéaire, en fait. Ouais, voilà. C'est alors que linéaire. Le BM, on est à 150. Déjà, on sent qu'on est à 150, ouais, tu vois. Carrément. Regarde, on fait une accélération. Pas que tu dises à combien on est. Ouais. Mais du coup, ouais, on était à 80 environ. Ouais, on était à 80. Hein. Toujours dans le respect de la législation. Et... Allez, c'est parti. Ah ouais. Ouais, ça tient le pavé vraiment. Ça tient vraiment le pavé. Adrénaline et tout, alors que un RS3, bah, tu conduis, t'es serein. Ouais. Tu peux envoyer, t'es serein. Ouais, c'est ça, tu sais, ça va pas bouger. Ouais, voilà. Et là, tu vas à la droite direct après. Ah ouais, les clignotants, comment ils réfléchissent, c'est un truc ah de ouais, fou. Mais même la lumière. Imagine-toi juste le bruit à l'extérieur, en fait. Elles sont même pas rigides. Ouais. En fait, t'es même bien dedans, tu vois. Ouais, t'es bien. Tu peux y aller. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est terrible. Il y a une reprise de fou. C'est ouf. Même ça freine bien. Ouais, ça freine. Bouge pas, ça tu vois. Freine. Là, ça, là, ah, clairement, tu... clairement. Tu peux être à pied au plancher, la voiture est. Non, ça s'ouvre pas, ça, c'est terrible. Putain. Ah, ça, c'est une vraie route pour tester ce genre de voiture. Ouais. Sur les vidéos, on se rend pas. Ouais. Ah, on se rend pas bien compte. J'aimerais bien vous montrer le compteur, hein, mais bon. Compact, on va dire, parce que ça reste un coupé, tu vois. Ouais. Ça freine archi bien, ça envoie archi bien, c'est un truc de fou. Ah, franchement, j'aurais pas cru hein, pour un série 2. De la reprise à tous les niveaux. Alors, si tu te mets en manuel, alors là, t'as juste à pousser la boule à gauche, mettre au bras. Ouais, je vois, mais tu utilises pas les palettes pour faire ça? J'ai l'impression qu'avec la boule, ça passe beaucoup plus vite qu'avec les palettes. Ah ouais? Ouais. Bah, tu sais quoi, ça, je suis curieux, je vais essayer ça tout à l'heure. Carrément, c'est un bolide ça. Chuch. Le siège, tu peux l'avancer ouais, s'il est là, trop près de toi. Là, je pense que je suis bien là. Bah déjà, je te remercie encore une fois bien de me faire conduire cette voiture-là parce que franchement, t'étais pas obligé. Et franchement, moi qui suis un grand fan de BMW, franchement, je kiffe vraiment très très fort. Je te mens pas. Ouais, c'est normal, c'est un petit cadeau de Noël. C'est vrai qu'on est 25. Moi, j'ai pas de cadeau par contre. Non, t'inquiète. Y a pas un sport plus? Bah, c'est sport. Individuel, c'est full sport. Ah ouais, individuel, c'est full sport. Ouais. Vas-y, c'est carré, hein. Attends, j'avoue, en passager, c'est la première fois que je monte en passager, c'est quelque chose. Hein. Oh là là. Ça envoie. Et c'est vrai que là, je comprends complètement quand tu m'as dit tout à l'heure que le conducteur, on se rendait moins compte. Ouais. Heureusement qu'il y a le compteur de vitesse qui me rappelle que je suis pas bien. Bah ouais. Parce que là, en vrai, la vitesse, je la sens pas. La vitesse, je la sens vraiment ah pas. Ah bah moi, je l'ai senti là. Oh là là, j'ai été collé au siège. Ah, peut-être qu'elle tourne vraiment. Ouais, elle va rentrer dans sa maison, je pense. Les sièges, ils maintiennent très très fort. La
voiture elle pousse très fort, la boîte elle réagit directement. Il n'y a pas de temps de latence entre le moment où tu appuies et le moment où la vitesse elle passe instant. T'as fait pas mal d'autoroutes toi avec ou... Ouais, ça va quand même, j'ai fait pas mal de bornes. Mais franchement, en autoroute, c'est un régal. Vas-y. Ah, t'as une conduite mon pote, tu fais peur. T'as une conduite de criminel toi. Je crois que t'es pire que moi. Le 0 à 50, c'est trop. Des fois ça rattrape le truc. Il y a une ultra sensibilité sur le volant où dès que tu bouges un tout petit peu le volant, c'est ça réagit complètement. Ça réagit à une centaine de secondes. Ah non, franchement, c'est fou. C'est précis. C'est ouf. Voilà, on peut doubler, il n'y a personne. Ouais. Sincèrement, les suspensions sont carrément moins rigides que ce que je pensais. On est carrément confortable, ça bouge pas, c'est au goût du jour à 100%, rien d'autre à dire. La boîte de vitesse elle est fluide, les rapports ils passent à une vitesse. Un 2 litres 4 cylindres qui envoie autant là, c'est ouf hein. Quand on a suivi le PM135i là, lui il avait 350 chevaux. On lâchait pas. Hein. Je sais pas où regarder en fait. Il y a trop de détails. Il y a trop de détails, tu vois. Tu mets la map, même la carte. Franchement, le GPS et tout, il est super bien fait. Prêt à la commande vocale BMW. Franchement, tu dis une fois ce que tu veux, elle t'emmène où tu veux. Ah ouais. Tu vois là, c'est ça que je te dis. Ouais, là, on les voit bien là. On commence à bien les apercevoir. Là, je me rendais pas compte tout à l'heure quand je tartinais, mais là je suis en passager, je parle moins. Là. C'est un avion, je suis choqué, je te jure. Carrément, moi je t'aurais dit fais-le là ton départ arrêté. Hein. Et tu vois, on a tapé dedans, ça fait à peu près 2 heures. Il y a encore le plan en fait. Bah ouais. Et j'avais même pas le plan en fait. J'avais un peu moins du plan et là-bas, ça a toujours pas bougé. Ça consomme rien je pense. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé en tout cas parce que là aujourd'hui c'était du très très lourd là. M235i 2020, grand coupé. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Et avec grand plaisir vous abonner. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Bye.